We're almost at the end. First of all, one little comment from the social media team. Thanks a lot for discussing everything you hear and you see here. She told me something very nice. Just remember, liking is nice, but sharing is caring. So if you could please share as well, as much as you could, that would be fantastic. As always, we conclude this summit with one of the board members of the Zermatt Summit, who would give us his final thoughts and his final ideas along the way. Please welcome with a very warm applause, Father Nicolas Butet. Please. Yes, please. Thank you. Je vais parler en français. I will talk in French if you have the translation, if you need any translation. J'aimerais commencer par une histoire d'un philosophe qu'on appelle le philosophe paysan ou le paysan philosophe, qui s'appelle Gustave Thibon, et qui raconte qu'à l'âge de 6 ans, on attendait la visite de son oncle d'Amérique. Alors c'était tout un mythe à l'époque, ça fait déjà 80 ans en arrière, et l'oncle d'Amérique arrive et dit, tu sais calculer, tu sais compter? Il dit, oui, bien sûr, je vais te poser une question. Il y a 10 oiseaux sur un fil, et un chasseur arrive, on ne va pas poser la question de l'éthique de la chasse, mais enfin, un chasseur arrive, tire et en attrape 4. Combien reste-t-il d'oiseaux sur le fil? Et lui, tout fier, dit 6. Et dit, non, il en reste 0. Et il a dit, pour moi, c'était le tournant de ma vie, quand j'ai compris qu'il y a des choses qui ne se calculent pas. Mathématiquement, j'avais complètement raison, mais dans le contact avec la réalité, j'avais complètement tort. Et donc, tout d'un coup, il y avait une approche de la réalité qui permettait de mettre en cause un calcul mathématique. Et bien, ce qu'on essaie de faire là, c'est d'entrer dans une autre rationalité, dans une autre façon de voir les choses. Et j'aimerais parler de deux aspects d'abord qui me paraissent essentiels, la guérison du regard et la guérison de l'agir. Anaxagore, un philosophe grec, disait que l'homme était intelligent parce qu'il avait des mains et que l'intelligence était dans la main en quelque sorte. Et Aristote le corrige en disant non, c'est parce que l'homme est intelligent qu'il a une main qui lui permet d'appréhender les choses. Peut-être que les deux ont raison quelque part. Derrière l'idée de la main, il y a l'idée de l'agir, du travail. C'est le premier aspect, on pourrait dire une intelligence de l'agir, une intelligence du travail. Et un deuxième aspect qui me paraît fondamental, c'est le regard. Comment guérir aussi notre regard sur le monde? Alors, j'aimerais prendre ces deux aspects à partir de ce qu'on a pu dire ici. L'intelligence est faite pour saisir la réalité, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. C'est une histoire vraie qui date de 50 ans en arrière, une transcription radiophonique entre deux bateaux, un bateau américain et un bateau canadien. Les Canadiens demandent aux Américains « Veuillez vous détourner de 15 degrés nord pour éviter une collision. » Les Américains, « Veuillez vous détourner de 15 degrés nord pour éviter la collision. » Les Canadiens disent « Non, je vous en prie, faites-le. » Les Américains, ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines, je répète, « Veuillez modifier votre course, à vous. » Les Canadiens, « Non, je vous en prie, modifiez votre course, vous. » Américain, ici le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés de 3 destroyers, de 3 croiseurs, d'un nombre important de navires d'escorte. Nous vous demandons de dévier votre course de 15 degrés nord où des mesures contraignantes vont être prises à votre encontre. À vous. Canadien, ici c'est un phare. À vous. Américain, silence. Le premier travail de l'intelligence, c'est de savoir saisir la réalité, voyez, et d'accueillir la réalité telle qu'elle est. On essaye souvent, par l'idéologie, par notre approche, de modifier les réalités, mais finalement, on n'arrivera jamais à la modifier de cette manière-ci. Le premier travail d'intelligence, qui est un travail de vérité d'ailleurs, c'est d'accueillir la réalité, pour ensuite la transformer, pour ensuite la modifier. Alors, il se pose une première question par rapport à la vérité, l'accueil de la vérité, c'est quelles sont les finalités? Et quels sont les process qui vont permettre d'arriver à la fin qu'on recherche? Pour les process, voyez-vous, il y a, je pense à une histoire qui était assez frappante, c'est un saint qui s'appelle Vincent de Paul, qui était un grand saint caritatif, et qui voyait un jour une religieuse en train de balayer un couloir, et lui dit, ma sœur, vous faites ça, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Et la sœur, percée dans les pensées secrètes de son cœur, quasiment en extase, s'exclame, oh oui! Et Vincent de Paul dit, ben ça se voit, parce que si vous faisiez ça pour que le couloir soit propre, vous vous y prendriez totalement autrement.
Il voulait dire par là qu'il fallait qu'elle maîtrise la technique de surface, mais qu'en même temps, elle pouvait donner une autre finalité à son action, mais que si la technique de surface n'était pas maîtrisée, elle n'arriverait pas à obtenir le résultat qu'elle attendait. Donc, il y a un travail sur les process, mais le travail le plus important, peut-être aujourd'hui, c'est le travail sur la finalité. Le philosophe Blaise Pascal disait qu'il est si déplorable de voir tellement d'hommes délibérer sur les moyens et si peu sur la fin. Et Hubert Reeves, l'astrophysicien, disait « La science vous dit comment faire les choses et comment cela fonctionne. La science ne peut jamais répondre à la question du pourquoi. Elle ne peut pas dire si telle chose est bonne ou pas bonne, et, car ce n'est pas son domaine d'action. » Et je crois qu'il y a une grande confusion aujourd'hui peut-être par rapport à ça, voyez-vous. On a confié à la science la question de la délibération sur le pourquoi des choses. Et cette délibération peut revenir à un enfant qui n'est pas scientifique. Un enfant peut avoir une sagesse, une capacité de comprendre la finalité des choses, parfois bien plus qu'un scientifique qui connaît tout le fonctionnement du comment, qui connaît toute la technique et qui a une capacité de maîtrise de sa matière et de sa science absolue. Eh bien, lui va échapper peut-être à la question du pourquoi. Michel Serres, le philosophe, dit aussi « Regardez comment on étudie les problèmes d'environnement. Avec la chimie, la physique du globe, la climatologie, ce sont toutes des sciences dures. On pose la question du comment, mais jamais la question du pourquoi. Or, pourquoi polluons-nous ? Dans un livre merveilleux qui s'appelle « Le malpropre », c'est un très beau livre, « Parce qu'on veut s'approprier les choses ». Et là, je touche quelque chose de beaucoup plus profond, qui est l'intention de la pollution. Alors lui définit ça un petit peu comme l'appropriation. L'homme salit les lieux qu'il s'approprie comme pour les marquer. Un peu comme un chien qui marque son territoire, dit-il. L'homme a besoin de marquer son territoire et pour le marquer, il va salir. Et il dit qu'il va falloir changer de cette attitude, de cette manière de faire. Il est vrai que dans la rationalité, c'était David Hume qui disait ça, il n'est pas contraire à la raison que je préfère la destruction du monde entier à l'égratignure de mon doigt. Il n'est pas contraire à la raison. Si la priorité, c'est mon doigt, je peux préférer la destruction du monde entier. Quelqu'un disait un jour, un égoïste est capable de brûler votre maison pour se faire cuire un œuf. Et quand vous dites, mais c'est pas gentil d'avoir brûlé ma maison, il dit, mais mon œuf, fallait bien que je le cuise. Ah, effectivement, si ton œuf est la priorité, alors la maison passe au second plan. Si la maison et le respect du bien d'autrui est prioritaire, on peut peut-être boire l'œuf comme ça, directement sans le cuire, voyez. Et David Hume rajoutait, mais il n'est pas contraire à la raison non plus que je choisisse ma ruine totale pour empêcher le moindre des plaisirs d'une personne qui m'est entièrement inconnue. Et donc, dans la rationalité, suivant la finalité que je choisis, il est possible de tout détruire ou il est possible de tout sauver. Et donc, la question fondamentale qui se pose ici, c'est quelle finalité avoir, quelle finalité adopter. Je vous parlais de l'intelligence d'abord, de l'intelligence de la main en quelque sorte, de l'appréhension, de l'homo faber, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a l'intelligence du regard, et là c'est l'amour qui va intervenir. Les neurosciences aujourd'hui ont réussi à découvrir que dans le regard on arrivait à décerner quel type d'amour nous habitait. Et c'était l'amour possessif qui prend ou l'amour oblatif qui offre, l'amour qui respecte l'autre et qui quelque part révèle sa dignité, ou bien l'amour qui à le désir de s'accaparer de l'autre pour en jouir. Et c'est assez intéressant, ces recherches en neurosciences. Comment transformer le regard? Un jour, une personne visitait une exposition de Picasso, et un homme tout simple comme ça, et Picasso était là. Il dit, mais monsieur Picasso, je ne comprends pas. Pourquoi la dame qui est là, elle a une partie du visage en bas, puis l'autre partie en haut. Puis il dit, mais je vois comme ça la personne. « Ah bon ?» dit l'homme un peu surpris. « Mais alors là, elle a donné un qui part là-bas, puis l'autre qui part là-bas. Comment ça s'est dit ?»« Mais moi, je vois comme ça la personne. »« Ah bon ? Mais alors là, je ne comprends pas, parce que là, il y a deux têtes même, une qui part là et l'autre qui en dessus avec un chapeau dessus. » Il dit « Mais moi, je vois comme ça la personne. » Et l'homme, tout humble et tout pauvre, dit « Mais monsieur Picasso, pourquoi vous continuez à peindre si vous voyez si mal que ça ?» Notre façon de regarder les choses, notre façon d'appréhender les choses, qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle met en lumière? Pour sauver Picasso quand même, vous savez, quand il a fait cette merveilleuse toile sur le massacre de Guernica, cette ville qui a été bombardée par les nazis avant la guerre, d'ailleurs en 1937,
un jour, un officier nazi arrive chez lui et regarde cette ville en détruite et dit « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso dit « Non, c'est pas moi, c'est vous qui l'avez fait. » Voilà. Derrière ce regard, il y a une première attitude qui me paraît fondamentale, c'est l'attitude de l'émerveillement. C'est la première attitude, d'ailleurs, du cœur de l'homme. On a beaucoup parlé d'indignation, parfois, de « Indignez-vous » avait écrit un jour un livre, Stéphane Hessel. J'étais en conférence avec lui, je disais « Mais vous êtes très courageux d'oser appeler les gens à s'indigner avant de les appeler à s'émerveiller. » Il n'y a d'indignation possible que quand il y a eu un émerveillement premier. Parce que l'émerveillement est devant le bien, devant le beau, devant le vrai. Et ensuite, ce qui manque au bien, ce qui manque au beau, ce qui manque au vrai, alors là, il est nécessaire de s'indigner. Mais parce qu'il y a une plénitude à combler, parce qu'il y a une plénitude à révéler. Et si cette plénitude n'est pas première, alors nécessairement, on va arriver à une violence extrême dans l'indignation qui sera son fin. Voilà. Et donc, il y a cette admiration, émerveillement. J'en veux toujours un peu à Hegel, le philosophe, qui un jour, visitant la Suisse, pas le Cervin, pas Zermatt, mais de l'autre côté, du côté de l'Eiger, du Mönch, de la Jungfrau, des Alpes bernoises, disait « C'est quoi ce tas de cailloux ? Il n'y a rien à s'émerveiller là-dedans, rien de sublime, la raison ne trouve rien qui lui impose, qui la force à s'étonner ou admirer. La vue de ces masses éternellement mortes ne suscite rien en moi, si ce n'est l'idée uniforme et à la longue ennuyeuse, as it so. » C'est ainsi, disait-il. On a tous admiré le Cervin, enfin je ne sais pas vous, moi je l'ai admiré à plusieurs reprises ces jours-ci, cette incapacité de s'émerveiller. Alors que Rainer Maria Rilke disait que, le poète disait que la venue d'un enfant dans le monde, le seul regard d'un enfant qui arrive au monde dans les endroits les plus secrets de notre planète, change l'histoire de l'humanité. Parce que l'émerveillement d'un enfant qui voit quelque chose de nouveau, le regard neuf d'un enfant est capable de transformer le monde. Emmanuel Kant, dans son discours philosophique, disait « Il y a deux choses qui suscitent en moi l'admiration et la vénération. C'est le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en dedans de moi. » Deux ordres de perfection, en quelque sorte. L'ordre de perfection de la création, la beauté de la création, l'ordre de perfection de ce qui est inscrit au fond de mon cœur, cet appel à la vérité, à l'amour, au bonheur, qui m'habite profondément et qui m'implique, qui m'engage totalement dans un acte moral. On a eu de l'art ici, on a eu de la musique, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est peut-être ça le sens de la beauté. Le prix Goncourt de la poésie, Eugène Gilevitch, disait un jour « La beauté doit venir d'un autre monde qui s'avance jusqu'au nôtre et parfois même l'enveloppe. » Et c'est peut-être aussi un des points importants. Rémi Braque, un philosophe, disait « L'art est fait pour troubler, pour déranger, la science est faite pour rassurer. » Et dans un monde angoissé et angoissant, la science nous rassure beaucoup. On pense qu'avec nos technologies, avec nos techniques, on va réussir à mettre la main sur l'avenir. Or, l'avenir échappera toujours. Le philosophe Derrida disait qu'il y avait deux manières de voir demain, le voir comme un futur planifiable, prolongement de l'aujourd'hui, ou le voir comme un avenir, ce qui advient, ce qui change complètement, qui me surprend, qui me dérange, qui me déstabilise, qui me prend à contre-pied, si j'ose dire. Le pape François aimait utiliser l'expression du gardien de football. S'il savait d'où vient le pénalty, il arrêterait. Mais il y a une surprise dans l'événement, la survenance d'un événement. Eh bien, c'est un petit peu ça, l'avenir, voyez-vous. Et donc, pour cela, il va falloir baisser tous les mécanismes de défense qu'on a mis en place. Et la science est sans doute, l'intellectualisme est sans doute un des mécanismes de défense psychologique, Freud l'a montré, les plus puissants que l'on puisse mettre en place. Et il va falloir se désarmer pour laisser l'avenir nous surprendre et pouvoir y répondre à la manière du gardien de football qui réagit en fonction de ce qui nous est donné comme ça. Voilà. Alors, j'aimerais revenir un petit peu à cette idée. Si l'on a un regard de l'intelligence de la main qui change, un regard de l'intelligence du regard qui va changer, on va devoir passer de celui qui fait, de la main, du faber, au sapiens. Parce que je vais rajouter dans le faire une sagesse. L'homo sapiens, le mot sapiens est très intéressant parce qu'en latin, il a plusieurs sens. Ça veut dire d'abord goûter, ça vient du goût. J'aime ce qui est bon. Je touche, il y a quelque chose de très charnel, de très concret derrière la sapience. Je goûte physiquement quelque chose de bon et puis je goûte intérieurement aussi quelque chose de bon par l'émerveillement justement, par la beauté qui est là.
Et donc, comment redonner aujourd'hui à notre monde le primat de l'homo sapiens sur l'homo faber? C'était Henri Bergson, non, c'était Hans Jonas qui avait déjà dit ça, l'homo faber a pris le pas sur l'homo sapiens. Et il y avait ce livre de Yuval Noah Hariri, vous savez, Homo sapiens, et puis ensuite Homo Deus. Pour passer du sapiens au Deus, disait-il, il faut lutter contre la mort. Première étape, je ne suis pas sûr. Les elfes, dans le Sigmarillion de Tolkien, étaient jaloux des hommes. Ils disaient, Dieu a donné à l'homme the gift of death. Il a donné le don de la mort. Ils ne vieillissaient pas, les chers elfes. Mais devant la personne, la femme qui vieillissait et qui voyait ses rides sur son visage, comme disait un enfant, ma grand-mère, elle a les rides dans le bon sens. À force de sourire, ça monte vers le haut comme ça. Voilà. Eh bien, ces rides-là disent toute une vie et préparent à une rencontre, voyez-vous. Et donc, mais les elfes pouvaient mourir de deux manières, par violence et par désespoir. Un monde sans mort est peut-être un monde de violence et de désespoir qui se prépare. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le chemin qui nous est donné à passer. Le droit au bonheur, disait-il aussi, c'est peut-être la solution, grâce à la manipulation de la biochimie de notre cerveau. Je ne suis pas sûr aussi que ce soit la manière la plus évidente de permettre le bonheur. Imaginez que Roméo s'approche de Juliette en disant « Le néocortex qui fabrique mon moi est excité jusqu'en sa zone de Broca par les stimuli nerveux causés par cet agrégat d'atomes anthropoïdes que par commodité j'appelle toi, Juliette. » Elle craque, voyez. Là, tout d'un coup, il te voit, le mec, il sait parler aux femmes. Ou alors, dans un langage plus technique, qu'importe que tu sois belle ou gentille, Juliette, si tout entière tu es branchée, honnête ou honnête, viens mon haut débit, viens ma bonne connexion, je t'ouvrirai sous Windows ou je t'ouvrirai sous DOS si tu préfères. Laissons tout Wi-Fi et connectons-nous en direct, écran tactile. Laisse-moi caresser tes pixels faciaux. Et c'est pas sûr que le bonheur soit vraiment dans ces deux manières. Et je suis pas sûr que Juliette va craquer devant une déclaration d'amour comme celle-ci. Si elle craque, c'est peut-être qu'elle a aussi un petit problème. Voilà. Je vais pas m'avancer plus loin. Peut-être faut-il dire simplement que l'homme sapiens, qui est appelé à devenir sapiens, est d'abord complexus. C'est une parole d'Edgar Morin. Il est à la fois appelé à une sagesse, mais un peu fou. Il est aussi homo demens, homo fou, l'homme fou, parce qu'il est pris par la démesure, par l'hubris, comme disaient les Grecs, ce désir de posséder, d'aller à l'extrême, qui en fait n'est plus réglé, n'est plus régulé du tout. Et cette démesure de l'homme est marquée par deux racines qui sont dans le cœur même de l'homme, l'incomplétude. Il y a quelque chose en moi qui est à faire en permanence, qui est à compléter en permanence, qui est achevé. Je ne suis pas achevé, je suis à faire, je suis en devenir. Et donc, ce devenir eh bien, m'appelle et m'interpelle profondément comme un manque à combler. Et puis, il y a une complexion de l'être humain, c'est-à-dire quelque chose d'assez complexe chez l'être humain, entre l'affectivité, la raison, les circonstances, les relations, tout cet environnement qui me façonne, qui m'interpelle, qui quelque part empêche l'émergence d'une liberté pure, comme disait Sartre. Quand il disait que l'enfer, c'est les autres, ça ne voulait pas dire que c'était difficile de vivre au Zermatt Sammet avec plusieurs personnes à côté. C'était simplement que l'autre venait briser, en quelque sorte, cet appel à l'autonomie absolue. Parce que l'autre, par son regard, me révèle, par son regard, m'interpelle, par son regard, me fait advenir. Et je ne peux pas devenir moi-même par moi-même. Je ne suis pas mon propre créateur, en quelque sorte. Voilà. Et donc, comment faire en sorte que cet homo complexus, cet homme complexe, à la fois sapiens, sage et demens parfois, puisse véritablement devenir un acteur de ce changement et du progrès? Eh bien, la première chose, vraiment, je crois que c'est la transformation personnelle. On a passé le 19e siècle et le 20e siècle à penser en termes d'idéologie et de modélisation un changement du monde. Non pas qu'il n'en faille pas, des idéologies peut-être plus, on a goûté, c'est bon, ça n'a plus de sapiens, ça n'a plus de saveur. Des modélisations, il en faut, parce que techniquement, c'est peut-être utile, mais fondamentalement, c'est autre chose qu'il va falloir construire, voyez-vous. Et je pense à une petite histoire, c'est un homme qui lisait son journal et sa petite fille venait lui poser des questions, et au bout d'un moment, le père, un peu exacerbé, dit à sa fille, écoute, on va faire un deal, il arrache
la page du journal sur laquelle se trouvait une carte du monde, la découpe en petits morceaux, pose la carte du monde par terre et dit à sa fille, écoute, tu me refais le Pulse. Quand tu as fini le Pulse, je viens jouer avec toi. On fait un deal comme ça. Top là, ok. Et le père s'est dit, une carte du monde en noir et blanc, c'est tout gris. Pendant trois quarts d'heure, j'ai la paix. Et alors, à ce moment-là, eh bien, la fille revient 10 minutes après et dit, papa, j'ai une question à te poser. Pourquoi les oiseaux chantent ? Le père dit, mais attends, tu devais finir le Pulse d'abord. Il dit, mais j'ai fini. Et le père dit, mais comment tu as fait ? Il dit, mais derrière la carte du monde, il y avait la photo d'un monsieur. J'ai refait le monsieur et j'ai refait le monde. Et je crois que c'est vraiment ce que je vous ai demandé de faire aujourd'hui, voyez-vous, cette transformation de l'être humain, cette transformation de chacune et de chacun. Je crois que la mondialisation, jamais, alors qu'on voit souvent la complexité, avec une résilience assez forte d'ailleurs d'un système complexe, mais avec une capacité de rupture aussi multiple à un moment donné, on appelle les bulles ou que, peu importe, nous renvoie de manière unique dans cette histoire du XXIe siècle à la responsabilité personnelle. Nous sommes des acteurs d'un changement. Chacun là où il est. Et c'est le grand challenge, le grand besoin aujourd'hui. Donc cette sagesse est à réapprendre en quelque sorte. Quelqu'un disait un jour que la science, c'est de reconnaître qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas en mettre dans la salade de fruits. Maintenant, si vous êtes chinois, vous mettez du sucre sur les tomates. Ils sont assez cohérents d'ailleurs avec la définition scientifique de la tomate. Isaac Asimov, vous savez, l'homme aux 500 livres, cet auteur de science-fiction et ce vulgarisateur scientifique disait « L'aspect le plus triste de la vie en ce moment est que la science rassemble la connaissance plus rapidement que la société rassemble la sagesse. » Et le professeur Jérôme Lejeune disait « Ce n'est pas la médecine qu'il faut redouter, mais la folie des hommes. Notre pouvoir de modifier la nature en utilisant ses lois s'accroît chaque jour. » De l'expérience de ceux qui nous ont précédés, mais utiliser ce pouvoir avec sagesse, voilà ce que chaque génération doit apprendre à son tour. Certes, nous sommes aujourd'hui plus puissants qu'autrefois, mais pas mieux avisés. La technologie est cumulative, la sagesse ne l'est pas. Et je crois que c'est là qu'il y a une confusion des domaines, voyez-vous, entre une technologie et une science cumulative et une sagesse qui ne l'est pas. Alors, quelques points rapidement pour entendre cette sagesse. Peut-être le premier point, c'est l'accueil de la vulnérabilité du plus faible. Gandhi disait « La qualité d'une démocratie se juge à la façon dont elle accueille le plus faible de ses membres et dont elle donne la possibilité au plus faible, au plus vulnérable de ses membres d'aller au bout de son humanité également et de ce pourquoi il est fait. » Donc une première clé, parfois ça passe aussi par l'accueil de notre propre vulnérabilité. Vous savez, vous avez peut-être vu le film Astérix aux Jeux Olympiques et César qui va dire « César ne vieillit pas, il mûrit ». Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel, pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard, c'est un samouraï. Il ne doit rien à personne, ni à Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Voilà. On peut être dans cette logique-là, voyez-vous. C'est peut-être pas la logique la plus évidente. Une fois qu'on a vécu un petit peu, on se rend compte que le lieu même de notre communion humaine est le lieu d'une vulnérabilité, d'une fragilité que l'on va partager. Cette vulnérabilité nous met en fraternité. Vous connaissez tous cette parole du prophète qui dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Ensuite, le pauvre, il est désespéré, il faut qu'il prenne un peu de Prozac pour remonter le moral. C'est un roi qui pense à son royaume qui dit ça, voyez-vous, c'est quand même gênant. Quand un roi commence avec un manque d'espérance pareil, sauf qu'en hébreu, ça se dit « Hevel ravalim, akal hevel ». Ce qui veut dire « buée de buée, tout n'est que buée ». Mais « buée » veut dire aussi « Abel ». Et ça nous renvoie au texte de la Genèse, vous savez, il y a deux frères, Caïn et Abel. Et un tue l'autre, Caïn tue Abel. Et une lecture midrashique hébraïque dit que finalement, on a le choix entre Caïn et Abel. Abel de Abel, si vous n'avez pas Abel, tout n'est que Caïn. Or que fait Abel ? Il traverse ce monde sans le salir et sans le détruire. Il est ce pasteur itinérant qui profite de la terre, qui nourrit son troupeau, qui mange son bétail et qui en même temps ne détruit rien, ne salit rien. Caïn, c'est celui qui accapare. Caïn, le mot Caïn en hébreu veut dire j'ai acquis, j'acquiert, je mets la main dessus. Et dans le chapitre 2 de ce livre de Coëlette, il est dit j'ai acquis quoi ?
du bétail, du gros et du petit bétail. J'ai mis la main sur la vie humaine, sur la vie animale. J'ai mis la main sur la vie humaine. J'ai acquis des serviteurs, des esclaves. Et ça devient le lieu du meurtre et de la violence, voyez-vous. Donc je pense que la fraternité est à construire à la manière d'Abel et non pas à la manière de Caïn. Un deuxième point qui me paraît important, que je n'ai malheureusement pas le temps de développer, mais c'est la question du travail lui-même, voyez-vous. Comment penser le travail ? On a parlé du burn-out. On arrive à un moment donné d'épuisement. On a ensuite parlé du bore-out. Alors là, c'est rasant, c'est casse-pied, j'en peux plus. Et maintenant, on parle du brown-out. On se dit, mais en fait, ça va bien, je ne m'épuise pas, je n'ai pas trop d'ennuis. But so what, quoi ? Ça sert à quoi, tout ça ? Qu'est-ce que je fous là ? La perte de la finalité de toute cette œuvre-là, voyez-vous ? Et du coup, une semaine devient un espace inutile et angoissant entre deux week-ends. On aimerait refaire le calendrier en disant, il y a mardi, vendredi, 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 pour attendre le week-end plus. Et on a perdu ce sens de l'œuvre commune, du travail commun, de la participation à cette immense œuvre du bien commun dont on a parlé ici, voyez-vous. Sloterdijk, un philosophe nihiliste et nietzschéen, mais qui a posé des bonnes questions dans un livre, tu dois changer ta vie, disait, il semble que la seule obsession de la société moderne est de maintenir des emplois sur le Titanic. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas autre chose à faire ? Redonner un sens profond au travail de la personne humaine, avec une pensée qui me frappe toujours beaucoup, c'est François Perroux, un économiste, qui disait « N'est pas économique l'acte qui détruit un seul être. N'est pas économique l'acte qui détruit un seul objet. N'est pas économique l'acte qui ignore ou laisse de côté une seule force physique ou intellectuelle. » Ce n'est pas économique, c'est idéologique, ce n'est plus scientifique, dans le sens d'une économie scientifique. Dans ce sens du travail, il va falloir trouver quelque chose d'important, le sens de la gratuité, de la bienveillance, de la générosité, du don, qui va marquer complètement l'activité humaine, profondément. Et puis de se rendre compte qu'il y a un impact global des petits gestes. On l'a vu ici, c'était fascinant de voir cette floraison d'initiatives à tous les niveaux qui, en quelque sorte, participent à ce changement du monde. C'était un jour, sur une plage, il y avait un enfant à 6h du matin qui était là, et la marée avait fait échouer des milliers d'étoiles de mer sur le bord de la plage, et l'enfant prenait une après l'autre et les jetait à la mer. Et quelqu'un qui est en train de faire son jogging lui dit « Mais mon petit, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je les remets à la mer, elle va mourir, mais t'as vu, t'en as des milliers sur des kilomètres !» Et il dit « Mais pour celle-ci, en jetant une, tout va changer. Pour celle-ci, tout va changer. » Voilà. Chaque chose que l'on va pouvoir faire va pouvoir changer le monde. Et je termine par la dernière chose qui me paraît importante. On a écouté du Beethoven ici. J'aimerais revenir à ce que disait Victor Hugo sur Beethoven. Beethoven a un très beau texte sur Hugo et il dit « Ce sourd entendait l'infini ». Il a été un grand musicien, le plus grand des musiciens, grâce à cette transparence de la surdité. L'infirmité de Beethoven ressemble à une trahison. Elle l'avait pris à l'endroit même où il semblait qu'elle pouvait tuer son génie, et chose admirable, elle avait vaincu l'organe sans atteindre la faculté. Corps paralysé, âme envolée. Oh, vous doutez de l'âme ? Eh bien, écoutez Beethoven, cette musique est le rayonnement d'un sourd. Est-ce le corps qui l'a faite ? Cet être qui ne perçoit pas la parole engendre le chant. Son âme hors de lui se fait musique. Que lui importe l'absence de l'organe, le verbe est là, toujours présent. Il entend l'harmonie intérieure et fait la symphonie extérieure. Prodigieux cette phrase. Et vous ? Et donc il y a, chez Beethoven, c'est ce que j'aimerais insister, il y a une âme qui dépasse le corps. Il y a une âme qui, dans chaque être humain, passe ce monde qui passe en quelque sorte. Il y a une âme qui est ouverte, un philosophe allemand disait « l'homo abyssus », l'homme abîme, qui est ouverte à un amour infini qui doit nous habiter. Et cet amour, finalement, dépasse toutes les forces des capacités de l'homme. Il y a une béance en nous qui attend l'effusion d'un grand amour. C'est dans cette béance même, dans cette effusion d'un grand amour qui nous fait déjà dépasser ce monde qui passe, qui nous fait rentrer dans un monde qui ne passe pas, dans une éternité qui est là et qui nous rassemble et qui fait qu'à la fois, on ne va pas relativiser ce monde, ce serait une erreur, on va le mettre dans sa juste perspective. On ne va plus le voir en deux dimensions, mais en trois dimensions, non seulement dans les choses à faire et dans le temps dans lequel nous sommes inscrits, mais dans cette perspective éternelle qui regarde d'en haut les réalités et qui donne une autre dimension à ce que nous vivons. Merci.
Merci beaucoup au Père Nicolas Butet pour ses pensées, ce tour d'horizon. Thank you so much. Everything I can say now will sound banal, so I'm not going to say anything else than that I want to give the final word of the day and also of the summit to the founder and the president of the Zermatt Summit Foundation. Please welcome once again Christopher Wassermann. Thank you. I think after Nicholas, very few words, but there was a lot of wonderment before Günter Pauli was on the stage. I don't know if Günter is here this morning, and of course there was indignation because we want change, but it goes through wonderment first of all the capacity of the human creation. And we wanted to just take 2 minutes to thank again Nicolas for this wonderful closing speech. One of the trademarks, I could say, of the Zermatt Summit is to focus on the human person and human skills. We talked a lot about technology, but obviously behind companies, behind entrepreneurs, behind all are human beings. And I think this is a key message of the Zermatt Summit, is this anthropology of the human person. We want to thank all the sponsors. I will not read all of them. I want to thank the board. I hope some of you have met them during this, and of course Nicolas Butet is on the board. I want to thank all the speakers. I want to thank the team behind this event, because we are a very small team, entrepreneurial spirit. I want to thank the media who came from far away. I want to thank also Elizabeth and the musicians, because we really had a wonderful time. Next edition is in September of next year. I would like to just ask for your help, because we have two ways that you can help the Zermatt Summit cover our costs. The first one is to become member of the Club of 100 entrepreneurs. We already have about 15 who can contribute to what we are doing and be part of a network of entrepreneurs that have access to early access to some of the projects which we are, and early connections between the entrepreneurs. So we started to organize this, and I want to thank Jean-Luc Villa. I don't know if he's there. He's number one who was in this network and his company. So we have corporate Club of 100, and of course the chairman. And we have also a second initiative which we are starting, which is to find, to create a network of family businesses and sponsors to build, let's say, this event, to make it sustainable for the future. So obviously we will think of this in the next few months, because this is important. I think this event creates these connections that don't happen that often, with a very free word, une parole authentique. There's no langue de bois, as they say in French. And I think this is people come here with their intelligence, their minds, but also their hearts. So thank you again very much. Having said that, I also want to thank Lorenzo Pauli, who was behind this program. You will get access to the presentations of this meeting through a connection. And of course, Catherine Gunnarsson, I should thank, who's over there. Thank you. And so you're invited to lunch for those who can stay with us, and for those who go back home, bon voyage. But let's keep together, let's keep connected as part of a family. And thank you again to Günter, who has really been one of our spiritual and practical leaders in this meeting, because I think we really came to, you saw some very concrete things happen. And this is, all of us have this capacity to change the world, and we can show some practical steps. Thank you very much. Bye-bye.